Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des Black Friday. Les Black Friday, c'est demain. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, mon avis, parce que bah, je suis aussi là pour vous donner mon avis, c'est bah, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, à acheter quelque chose qui nous plaît, à dépenser un petit peu de sous. Et ça fait parfois du bien. Oui, mais. Si j'ai un conseil à vous donner, et sur ce sujet, j'ai de l'expérience, j'ai dépensé tous les ans, pendant une vingtaine d'années, beaucoup de sous sur des choses et d'autres, du matériel, des logiciels, des plugins. Bon, je me suis fait plaisir et parfois j'étais un peu compulsif. Alors, posez-vous la question avant de lâcher ne serait-ce que 5 ou 10 euros sur tel et tel logiciel. Posez-vous la question de savoir si ça va vous servir. Alors, en ce qui concerne les logiciels, il vaut mieux essayer d'abord de bien maîtriser ce que l'on a plutôt que d'en avoir une pléthore et de pas savoir en fait à quoi ils servent. Ou d'en avoir une dizaine en doublon. J'ai dépensé des centaines, des milliers d'euros, étalés sur une vingtaine d'années, hein, en logiciel, en matériel, et j'ai pas fait le calcul, parce que je risque de pleurer, mais je pense que j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que j'ai pas vraiment utilisé à 100%. Voire parfois même pas du tout certains de mes achats. Souvent on se dit tiens, ce truc-là il coûte 10 fois moins cher que le prix habituel et puis on le garde et puis peut-être qu'on va l'utiliser un peu, peut-être qu'on va l'utiliser tout le temps là, donc là tant mieux, mais si on l'utilise jamais et qu'au bout du compte on en a accumulé plein, ça fait beaucoup d'argent. C'est comme si, tiens, je vais vous parler de mon garage, un truc perso. Voilà, j'achète un robinet, j'ai acheté un lavabo, un chauffe-eau. Ils étaient vraiment pas chers, presque donnés. Ben voilà, ça fait 10 ans que je me trimballe avec ce matos dans mon garage. Il m'encombre, il vaut plus rien. En plus, il marche plus. Il est obsolète, les pièces de rechange ne se font plus, enfin, donc ça sert à rien. Voilà, ça vous encombre la vie. Et pour les logiciels, ça vous encombre votre système, votre disque dur. Et en plus, si un jour vous l'utilisez, il va vous dire, ah ben, il marche plus sur ce système, faut le mettre à jour. Ah, bon ben voilà, c'est perdu. Donc posez-vous quand même la question avant d'investir si vous en avez vraiment besoin là tout de suite. Et sinon, oui, faites-vous plaisir, achetez des instruments. Un nouveau micro, un bon casque, une guitare. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, même si effectivement il y a un effet un petit peu bah, très commercial, hein, c'est ça, c'est commercial. Mais tout en sachant que c'est commercial, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Moi-même, si je devais vendre des produits, je pense que j'utiliserais les Black Friday. Voilà, cette vidéo est terminée. Il me reste à vous souhaiter un bon Black Friday et surtout de bonnes ondes musicales. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt. Bye bye!